Bonjour à tous, ici Spodex et bienvenue dans ce 29e épisode de Let's Play sur Dungeons 4. On est reparti pour la suite. Hein. Le duel. Thanos et le seigneur du donjon, Gorgou, étaient face à face, prêts à livrer une bataille des plus importantes. Ok, allez, on y va. Le duel. Thanos et le seigneur du donjon, Gorgou, étaient face à face, prêts à livrer une bataille des plus importantes. Je ne sais pas, je ne vois pas si les pièges, on peut toujours les garder. Et ouais, on va toujours garder ça. On verra bien. Là, on peut reboucher. Ah tiens, j'avais pas... D'accord. Oui, bien entendu, la cam n'est pas au bon endroit. Gorgou avait ingéré suffisamment de malfaisance pour conserver durablement sa forme de seigneur du donjon. Mais Thanos avait lui aussi réussi à gagner en force. Tous deux allaient maintenant disputer un duel au sommet. Imaginez un peu la scène qu'on aurait pu faire, avec des zooms sur les visages de nos deux adversaires, comme dans les dessins animés de votre enfance. À elle seule, la bataille de regards aurait pu durer des heures. Mais bon, on avait peur de réveiller de vieux traumatismes. Les deux adversaires se mirent alors à se lancer de puissants projectiles. Livrer un combat aussi épique avait cependant un coût, et les deux camps durent se replier pour reprendre leur souffle. Courage, mes braves. Préparons-nous pour l'ultime bataille. Ensemble, nous détruirons le mal une bonne fois pour toutes. Parfait. Ces encouragements, sans oublier la menace de châtiment corporel en cas de désobéissance, galvanisèrent les héros de Thanos. En toute logique, Talia devait quant à elle soutenir Gorgou. Sérieusement ? Après toutes les galères de la mission précédente, je pensais que Gorgou gagnerait en un rien de temps. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de grappiller des heures de jeu. Mais bon, d'accord, je voudrais pas qu'on m'accuse d'avoir laissé tomber le mal. S'il le faut, j'enverrai des vagues aux créatures à Thanos. Debout, les feignasses ! Construisez un donjon, levez une armée et allez refaire le portrait de Thanos. Ok. Alors, pour être certain, ouais, je ne suis pas bien mis. Voilà. Ça sera bon. Hop, alors, préparez-vous, les démons. On a deux entrées. Bon. Donc, nous avons des démons. Ah, quoique, on a aussi des... Ah ouais, on a des deux. C'est un peu idiot, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Bon. Excusez-moi. Non, je peux pas parce que je vais peut-être devoir améliorer le... Mes dindons. Quoique les dindons, je peux peut-être les améliorer par là. Non, c'est compliqué. C'est pas grave. Bon, on va par ici. 5 par 5 avec une entrée. Et pour l'instant, ça ne me servira à rien. Il faut d'abord que je débloque.
Débloquer les sorts, ouais, ça peut être intéressant. Allez, on améliore Vortex, voilà. On va faire les démons. Bon allez, on est parti pour je n'ai peut-être pas pris le bon chemin. Par le bas ici, on va aller vers celui-là. Hein. Là, il y a un truc où il pourrait y avoir des ennemis plus tard. Ok. Attendez, hop. Arrêtez de bouger là. C'est jour de paix. Allez, c'est parti. Oh. D'accord. Une de vos créatures ne reviendra pas. C'est pas grave. Très bien. Bon, on va reculer. Il y a l'hypnocrapaud là qui sera intéressant à faire. 29, j'ai rien du tout. Arcanum. Je n'ai pas encore l'arcanum, mais si. C'est ça ici, hein. Ouais. Arcanium, pardon. Dans ces cas-là... Bon, aller faire l'hypnocrapaud tout de suite, c'est du suicide, hein. Ici un village. Ah, c'est la licorne. Ah non, même pas. Ah, c'est la maison. Oui, d'accord. La maison vivante. Certains soutiens inconditionnels de Thanos entreprirent d'envahir le donjon pour y attaquer le cœur de son joueur. Le mal avait sûrement okay. Tout prévu pour les arrêter. Oui, certainement. Ah, c'est moi le mal, pardon. Non, je plaisante, bien entendu, hein. Je sais très bien que c'est moi le mal. Et
Déjà, on va se TP. Ensuite, on va commencer les pièges. Je peux pas parce que j'ai pas de... Les pièges. Voilà. Qui a recherche. Bon, je peux pas pour l'instant. Un petit chat dans la gorge là. Qu'il me faut, mais c'est cela en fait. Ok, mince, qu'il me faut du poignot. Ok, alors piège ici déjà. Ennemi présent dans le donjon. Voilà, mais c'est pas suffisant hein, puisque. Drelin, drelin, c'est l'heure de la paye. Alors, ensuite, là, avec des pinces. Voilà. Voilà, ce sera suffisant pour commencer. Zone du donjon a été découverte. Ah, il y a des bestioles. Pas quoi, mais il y a des choses. Bien. Il m'en reste deux encore à régénérer.
en train de s'occuper de poser des pièges. Alors ici, ça va être compliqué. Là, ok. Ensuite, dans les pièges, on va mettre un peu de glu. Ici, vous avez exhumé une nouvelle zone dans le donjon. Dommage. Enfin, on peut toujours, mais... Hop. Et hop. Maintenant, voilà. Ça me paraît bien. Ok, parfait. Le choc des géants était imminent. La rencontre allait avoir lieu ici. Ah, super, c'est bon à savoir. Dans ce cas, j'écrèmerai mes loutres en experte. je mettrai mes troupes en alerte. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ah ben. Avec quoi on va rentrer? Vu qu'il y a des ennemis, ils vont se prendre d'abord les pièges. On verra après pour... oui, tiens. Les ennemis ont pénétré dans le donjon. Votre filon d'or est presque épuisé. Jour de paix. Allez, à l'attaque. Alors voyons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ils ont toute leur vie, allez c'est reparti alors, voici on y va. Ok. Let's go. Voilà. La prêtresse en sécurité. Thanos et Gorgou avaient retrouvé suffisamment de force pour se jeter à nouveau dans une exaltante bataille qui ferait date dans l'histoire. Gorgou, qui se découvrait de nouveaux pouvoirs, commençait tout juste à comprendre ce que c'était que d'être le seigneur du donjon. Il pouvait par exemple soigner ses blessures ou encore lancer une nouvelle attaque dévastatrice. Toutefois, il lui fallait du temps pour rassembler la force nécessaire à l'utilisation de ses compétences. Oh, ce petit malin a plus d'un tour dans son sac. Bien, c'est justement ce qu'il nous fallait pour faire mordre la poussière à Thanos. En avant, Gorgou, botte-moi les fesses du vieux Schnock. À moi, mes fidèles compagnons! Aidez-moi à vaincre. Donc le haut, c'était vraiment pas le bon plan, hein. Les héros décidèrent d'attaquer Gorgou. Le mâle, frappé de stupeur, avait tout intérêt à réagir de la façon la plus ferme.
là-dessus, crétin. Créature, allez des gorgous, abattre-le. Bien maléfique, mal bénéfique. Je suis plus très sûre de savoir dans quel camp se trouve Thanos. Oui, moi non plus. Mais peu importe. Rentrez-lui dans l'art et faites-en du hachis. Quelques héros tentèrent de brutaliser Gorgou. Voilà. Le seigneur du donjon frappa Thanos avec un coup à décorner les bœufs. C'est pas vraiment Thanos que je visais, hein, mais... Allez, on a déjà tout ça au moins. Oui, il y a Hypnocrapaud qui est là. Non, 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 pas Hypnocrapaud. Des héros qui croyaient en leur chance affrontèrent Gorgou. Les blessures de Gorgou se refermaient à l'œil nu. Son pouvoir de régénération était époustouflant. Malfaisant, ça fait toujours pas de tort. Ah oui, c'est la régénération, c'est quasi rien. Hein. Du seigneur du donjon était à nouveau utilisable. Gorgou lança son attaque la plus dévastatrice contre Thanos. Un filon d'or est à sec. Ok, bon, on va commencer. Regardez les autres filons. Hop, on peut continuer à... Une fois de plus, Gorgou et Thanos se replièrent pour récupérer. Talia et le mâle Vatanguerre profitèrent de ce répit pour se réorganiser. Des héros qui avaient prévu d'affronter Gorgou décidèrent finalement d'entrer dans le donjon. Eh bah qu'ils entrent. Ils seront bien reçus. Plutôt mal reçus. Allez, c'est parti. Vos ennemis sont dans le donjon. Allez, on se TP. Ils sont en bas. Malgré tout, ils ont quand même bien déjà...
bouillé. Très bien. Alors, on continue. Salle de détente. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Salle de détente pour les démons. Ici, cherche le patient insuffisant. Voilà, 1250. Ok. Pas bon ça. Ah, t'as dit KO. Dans ces cas-là, on va revenir à pied. Allez. Alors, ça c'est bon. Ici. C'est bon. Drelin, c'est l'heure de la paye. Faire grand chose sans malfaisance. Je débloque au moins les sorts. C'est bon. Là, je peux agrandir. Pas les pièges, c'est. Pognon, c'est plus le problème. Le problème, c'est vraiment la malfaisance. Voilà, c'est là. Un, encore deux qui sont KO. Et donc, bah, je vais devoir faire l'hypnocrapaud. Hein.
c'est des élites un peu partout, il faut que je monte en niveau. Alors ici, 5 par 5. Ok, très bien. Ouais, il faut que j'améliore les dindons, hein. Bon, ils sont tous revenus. Donc, des ennemis se sont introduits dans le donjon. Ou pas. On va attendre d'abord. Voilà. Au moins, ils ont été affaiblis, donc j'ai plus facile à les tuer. Ah, presque. Voilà. Bon. Ça c'est très bien. On y va. Le crapaud, nous voilà. C'est jour de paye. Le crapaud buffle. Dégagé. Non, 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 non. Je me suis trompé de bouton. Bon, mais il y a moyen. Il régène. Il régène un peu, et puis on est reparti. Là, j'ai un mort en plus. Bon. Voilà. Bon, on y retourne. C'est quand même très... Ça va, il régène, mais pas trop vite. Allez, c'est reparti alors.
là-haut, tout simplement. Bingo. Hop. Il reste là, il se régène. Pendant ce temps, moi, je peux faire de la recherche. Je peux améliorer, je peux faire des recherches sur les... Voilà, et les sorts. Ok, donc maintenant, ici, je peux recruter... Bon. Voilà. C'est l'endroit du combat, ça. J'essaie de le voir, hein, mais... Allez, on va retourner là-bas. Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Faut aller tour de guet, je m'en fous un peu. Vous savez quoi, ici? Parce qu'à un moment, faut quand même qu'ils apprennent aussi à combattre. Le seigneur du donjon Gorgou et Thanos allaient à nouveau férocement croiser le fer, ici, sur ce champ de bataille jusque-là quelconque. Parfait! Préparons une réception digne de ce maudit paladin. Non, bande de crétins, je ne parle pas de lui préparer un banquet. Ah, ils vont être là-bas, ok. Bon, le but là, c'est de faire XP mes nouvelles recrues. Bon, aussi les autres, hein, mais... Une nouvelle zone a été exhumée dans le donjon. D'accord, oh. Séjour de paye. Alors ici, bonjour, on s'invite à la pizzerie. Thanos et Gorgou se firent face une fois de plus. Un nouveau duel dantesque les attendait. Les compétences du seigneur du donjon étaient à nouveau disponibles. Un certain nombre de fidèles de Thanos allèrent du côté maintenant. Le pouvoir de régénération de Gorgou s'activa. Qui n'aime rien tant que l'odeur du napalm au petit matin, avait détruit l'une des bases des fidèles de Thanos. Ces derniers, cependant, étaient plus motivés que jamais. Ils sont fous, ces fanatiques. Ouais, ça va être compliqué de... Réussir à porter un coup à Gorgou. Eh bien, Gorgou,
Le seigneur du donjon frappa Thanos avec un coup à décorner les bœufs. Vous voyez, ça se régène un peu. Voilà. Qu'est-ce que je peux ? Ben, je vais améliorer. On peut, hein. Quand j'y suis. Non, je ne peux pas parce que 56, mais je passe. Hop, allez, 1, 2, 3. Des héros qui, voyant leur chance, affrontèrent Gorgou. Ça va se péter la gare. Peut-être pour soigner Gorgou. Hop, très bien. L'une des compétences du seigneur du donjon était à nouveau disponible. Gorgou lança son attaque la plus dévastatrice contre Thanos. Hop, vous deux là. Bon, alors, les recherches. On va améliorer. Thanos et Gorgou se replièrent à nouveau. Nul ne sut s'ils avaient encore besoin de reprendre leur souffle ou s'ils étaient allés prendre un café ensemble. Des héros qui avaient prévu d'affronter Gorgou décidèrent finalement d'entrer dans le donjon. Ouais, ben, ils ont qu'à rentrer dans le donjon. Allez, à l'attaque. Parfait. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Alors, ils sont en haut. On va quand même se TP, hein. Bon, mais c'était pas nécessaire. Pas grave, ils vont se reposer. Alors, l'argent, c'est bien. Thank you.
Maintenant, on peut aller via le nord. Ah bah ils arrivent. On va les laisser prendre les pièges. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Il faudrait la salle de torture, mais pour l'instant... Alors, les ennemis dans la salle de... dans le donjon... Voilà. Bon, maintenant qu'il est tué, pas de difficulté. On y va. Ok, oh, 48 minutes déjà. Ok, donc pour YouTube, on s'arrête là pour cet épisode. On continuera dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec les pouces en l'air, avec les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye bye.